Prêt pour le Veni, Vidi, Vecchi? Je suis prêt à parler à Tessa. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed, ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael. Salut. Eh, hey, c'est pas ton jour de repos? Si, on vient en tant que client. Tyler, Michael, c'est lui le collègue relou dont je t'ai parlé. Je te rappelle que j'étais là quand t'as découvert la sangria vodka chamallow. Et je suis seulement au rang de collègue relou, vraiment? T'es dur. T'en fais pas, elle m'a dit à quel point sa vie ici serait horrible si t'étais pas là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On parle de toi du matin au soir, j'ai l'impression de déjà te connaître. Alors, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou... C'est ça, on s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Bon, dans ce cas, je vous suis. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, Michael aussi va partir à Juno. Oh. Et vous avez l'intention de vous installer ensemble aussi, ou... Eh ben... Ouais. Comme ça, on partage le loyer. Mais on n'a encore rien décidé. C'est pas bête. Tu sais, tu pourrais venir toi aussi. Mais oui. Plus on est de Ronan, plus on rit. Je fais une école de cuisine, donc. On mangera bien, t'inquiète. Et puis, je ronfle qu'à cause du pollen et... du baseball. Comment je pourrais dire non à ça? Est-ce que ça va? Oh, je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche? Ouais, il y a un spot qui s'appelle le Buzardol. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Faut faire 1 heure de route, mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête, j'allais tout le temps avant. Sérieux? Ouais. Eh, si ça te dit d'y retourner un de ces jours, fais-moi signe. Cool. La plupart des gens lâcheraient leur meilleur spot pour rien au monde. Vous êtes trop chou. À rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas attraper un poisson. Même en remplissant le lac avec du cyanure. Je suis pas... Oh, laissez tomber. Tyler, on ferait mieux de faire nos courses. Ouais, je suis là si vous avez besoin. Le futur maire de Delos Crossing. Tom Vecchi, quoi. Eh ouais. Ça te choque vraiment tant que ça? Il possède le seul magasin de la ville, et il est pote avec le club du troisième âge. Si tu le dis, je le voyais pas vraiment comme quelqu'un avec des idées. Et en termes de charisme, il y a du boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou on reste dehors jusqu'à ce qu'on gèle sur place? Moi, je veux du bacon croustillant. Moi, des nouilles et des rouleaux de printemps. On peut avoir du gâteau à la coco en dessert? Doucement, on se calme, mes gobelins gourmands. Il faut qu'on en laisse un peu pour les autres clients. Mais Tessa a dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait. Il manque la cuisine de Tessa. Elle fait toujours ses... Comment on appelle ça déjà? Les rouleaux de bananes frites. Des touronnes? C'est ça. Non, je crois bien qu'elle les préparait juste pour nous.
Je suis la reine de ce Shadow. Tila ? Vu que c'est un dôme, tu vas tomber en douille. C'était marrant. Mais pourquoi t'as pas rigolé ? C'était trop marrant, quoi. Pas aussi drôle que quand tu boudes parce que je rigole pas à tes blagues. J'adorais te faire marcher. Il y avait rien de mieux. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend ? Allons faire les courses. Tessa donne toujours des cours d'études bibliques tous les mercredis ? Ouais, et il y a un monde fou en plus le mercredi soir. Elle prépare une tonne de bibinka et ça prie dans tous les sens. Il va y avoir pas mal de restes au moment du jugement dernier. Tant mieux pour nous. C'est dingue qu'il ait pas encore chopé. J'espère vraiment qu'ils auront assez de signatures. Pourquoi ? Il y a un projet de pavillon de chasse en amont de la rivière. Ça va totalement bouleverser la migration des saumons. Bonjour, mademoiselle Ronan. Tu as oublié quelque chose dans le bureau ? Non, je viens juste faire des courses. Tu te souviens de mon frère, Tyler ? Ton frère ? Oh ! Ah oui, Tyler ! Ah, quelle bonne surprise ! Allison, t'as pas dit que j'arrivais aujourd'hui ? Si, c'est bien possible. Mais je ne m'attendais pas à voir un garçon aussi élégant. Eh oui, j'ai pris une douche ce matin. Ah, vous venez de revenir en ville ou... Plus ou moins. On a commencé le rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant 10 ans et pourtant, il nous manque des choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça doit vous faire plaisir de revenir. Je suis pas sûr que je parlerai de plaisir. Ah, oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être un peu compliqué. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin ? La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Bon, alors il nous faut des bougies et du nettoyant multi-usage. Et à manger et à boire. Je crève la dalle. De quel côté tu penches, toi, niveau grignotage ? T'as tendance à te jeter sur le sucré ou le salé ? Chips, goût sel et vinaigre, surtout quand j'ai l'estomac en vrac. Ça me va. De toute façon, j'avais pas prévu de pécho ce soir. Michael, tu veux que je te prenne du sirop de bouleau ? Ce serait pas une manière détournée de me demander de préparer mes célèbres pancakes. Ah, je suis grillé. Voyons voir. Pivoine fraîchement coupée, gâteau aux pépites de chocolat, du chamallow grillé. Tu me lis les recettes d'un bouquin de cuisine bobo ou quoi ? Non, je suis juste. On n'a qu'une vie après tout. Tu sais ce que tu veux boire ? On n'a qu'à prendre du jus de fruits pour demain matin. Ok, je vais prendre du jus d'orange. Ah. Un avis sur les produits nettoyants ? Oui, s'en servir, c'est la pire façon de passer un après-midi. Version bio, c'est mieux. Bon, ben, je crois qu'on a fini. Tom nous fera signe au comptoir.
Hey, Tyler, tu te souviens du roi Truite? Attends, il est toujours là? Je pensais que Tom l'aurait rangé depuis le temps. Tu veux rire? Il rate jamais l'occasion de dire au client qu'il a gagné un concours de pêche. Et elle faisait 6 kilos! Allison, je t'attends. Faut payer les courses. L'inventaire, hein? Ah, ouais, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Bref, ça se passe bien les courses? Vous trouvez tout ce qu'il vous faut? Je sais pas qui a rangé les étagères aujourd'hui, mais c'est du grand n'importe quoi. Tu me cherches, Ronan? Aurais-tu oublié le grand effondrement du tableur de 2014, hein? On ne devait plus en parler, et c'était juste une petite erreur de fonction. Ce qui a failli conduire à l'achat de 10 000 dollars de tampons, donc... Tu m'as vraiment sauvé les miches en remarquant ça. Ouais, et tu me revaudras ça, t'inquiète. Sinon, ça va ta journée? On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont vraiment secouées. Est-ce que t'as envie qu'on en parle? Oui, mais pas ici. Et puis, c'est peut-être pas à moi d'en parler. Mais on pourrait se retrouver plus tard et tu pourras entendre toute notre histoire de dingue. D'accord, bon. Si t'as besoin, je suis là. Allison, je t'attends. Faut payer les courses. Athlétique, gracieux et enthousiaste. C'est tout toi, ça? Ah non. Je suis peut-être un beau gosse, mais je joue vraiment comme un pied. Je devrais prendre leurs coordonnées pour quand je serai là-bas. Tu le crois que Tessa et Tom ont été jeunes un jour? Hé, j'ai entendu! Je dois reconnaître que je me suis un peu dégarni, c'est vrai. Mais vous devriez voir le reste de la promo de 81 de Telos High. Compris. Tu soutiens pas un meilleur contrôle des armes à feu? Mon programme appelle à une régulation raisonnée, mais les gens d'ici ont besoin d'armes pour se protéger. Et, comme tu le sais, on fait des recherches d'antécédents poussés avant chaque vente. Ce sera tout? Oui. Merci, Tom. Oh, salut Tessa. On venait justement pour te parler. Salut Tessa. Ça faisait longtemps. Mon Dieu, tu as tellement changé, tu es méconnaissable. C'est bien moi, avec de la barbe. Oui. On est passé à l'ancienne maison aujourd'hui. Seigneur, mais pourquoi? Je suis surprise qu'elle tienne encore debout. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont un peu surpris. Ah bon? On voudrait te poser quelques questions sur elle. Tu dois être la seule personne qui ait connu Marianne mieux que nous. Oh, eh bien, je ne sais pas. Ça fait 10 ans, quand même. Je sais, mais j'ai besoin de te poser la question. Je t'écoute. Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon? Non. Non, jamais. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Marianne était inquiète, c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi, vraiment? Ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là, ça concernait Tyler. Elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Pas vers la fin. Écoutez, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui, désolée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tourner la page. C'est pas aussi simple que ça. Cette nuit-là, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est la seule certitude. Il faut que j'y aille. Bonne chance à tous les deux, vraiment. C'était quoi ce délire? Je t'avais dit qu'elle parlerait pas. Elle a été formée à la CIA ou quoi? Il y a quelque chose de bizarre. T'es d'accord, non? Ouais, je trouve aussi.
comme si quelque chose m'avait échappé. Les enfants, vous avez fini ? Oui, maman. On peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa ? Désolée, mais on n'a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui, ma chérie. Bon, on y va. Marianne ? Tu peux venir ? Désolée, Tessa, je suis un peu pressée. Ah oui, c'est quoi ton excuse cette fois ? Tu dois réparer le barrage de Castor en urgence. Tessa, écoute. Non, je ne veux rien savoir. Je veux te parler maintenant. Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes ? J'avais complètement oublié ça. Je m'en souviens, mais pas exactement comme ça. Bon, voyons ce que dit ma version, ok ? Maman, on peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa ? Non, on va pas jouer aujourd'hui. Marianne ? On peut discuter ? Non, on peut pas. Laissez les courses, les enfants. On y va. Arrête. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok ? Bon. Nos souvenirs sont un peu différents. Mais bon, c'est assez logique. C'est comme dans Rashomon. Quoi qu'il en soit, après ça, elles ont marché vers le comptoir, et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa, c'est ça ? Non. Marianne nous a défendus contre Tessa qui nous faisait la morale. Désolée d'avoir manqué le spectacle la semaine dernière. Oh, tu n'as rien raté. Ce n'était pas le meilleur concert des voix de velours. Les sopranos ont fait n'importe quoi. Je peux t'aider, Allison ? Non, merci. Ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai oublié, en fait. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? C'est pas vrai. Tessa note absolument tout dans ses carnets. Comme quoi ? L'argent qu'elle prête, quels articles ses clients réguliers peuvent avoir gratuitement, même ses dons à l'église. Et après, elle t'envoie une tête de cheval si elle récupère pas son argent ? Non, je crois que c'est juste pour garder une trace. Elle montrera tout ça à Saint-Paul comme preuve de sa bonté. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, c'est juste l'inventaire. Ah, j'ai de la chance d'être en repos aujourd'hui, hein ? Oui. Un heureux hasard, on va dire. Non, tant pis. S'il te plaît, rien que quelque... Je veux te parler. Écoute, maintenant. Si on décide d'en tu parler, tu préfères que je te demande de rendre. Se mettre d'accord sur notre version. Quelques minutes. Je suis okay. Sûr et certain que mes souvenirs sont bons. Alors, qui a raison ? T'entends ça ? C'est Marianne qui cherchait l'embrouille. Rembourser tes dettes ? S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok ? Marianne, écoute, j'essaie juste de... Ne t'approche plus de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Je veux simplement aider. J'ai pas besoin d'aide. Ni de ta part, ni de quiconque dans cette ville de merde. J'en ai marre de vous tous. Tu en as marre de la nourriture que je te donne ? Et de l'essence ? Toi, peut-être. Mais les enfants, ce sont mes enfants, Tessa. Les miens. Pas les tiens. Écoute, ne parlons pas de ça ici. Allez, viens dans mon monde. D'accord. C'est bon. Vous deux, restez ici. Ça va pas, la tête ? Je reste sceptique, mais... Ok. Pour l'instant, disons que Marianne a fait du... Marianne. Mais une fois dans le bureau, elles se sont lâchées toutes les deux. Complètement. Tu penses que c'était quoi le sujet de leur dispute ? Moi ? Je sais pas. On n'entendait plus rien à partir du moment où elle a mis la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir.
Je peux faire quelque chose pour vous ? Tout à l'heure, tu as dit que Marianne gardait tout pour elle. Mais vous avez eu une grosse dispute quelques mois avant sa mort. C'est bien ça ? On se disputait tout le temps. Il va falloir être plus précise. Et je parle pas de tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermé dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Je suis désolée. Tout ça remonte à si loin. Écoute, je suis assez occupée, là. Ok. On t'embête pas plus. Fais chier. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous a dit. Oh, sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Si on savait au moins de quoi il s'agit, elle serait bien forcée d'admettre. Oui, c'est sûr, mais comment on fait ? La musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Mmh. Marianne et Tessa étaient dingues de cette chanson. Elle la passait tout le temps. À quoi tu penses ? On a ces visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Eh, mais t'as peut-être raison, Ronan. On peut pas retourner la voir tant qu'on n'est pas préparé. On devrait parler à Tom. Faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Ok. Voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. On devrait aller parler à Tom, non ? Voir s'il se souvient de la chanson. Hé, hey, Tom. Je peux faire quelque chose pour toi ? Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient ? Elle la passait tout le temps. Ah ! Comment je pourrais oublier ? Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part par là. Mais j'imagine qu'il doit être un peu abîmé, évidemment. Un petit instant... Ah, la voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. C'était un peu trop kitsch à mon goût. C'est celle-là, non ? Ouais, je crois bien. Wow, ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi ? Oui. Maman, arrête ! C'est trop la honte ! Ah ouais ? Tessa, viens ici ! Je sais que t'adores cette chanson. Non, ça je ne peux pas. Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille ici. J'avais oublié comme elle pouvait être insouciante. Ouais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je pense qu'on a d'autres souvenirs à déterrer. Je sais pas, on va bien voir. Les enfants n'arrêtent pas de me réclamer ces bonbons. Mais ils sont tellement chers. Prends-en un paquet, c'est pour moi. Oh. Je peux pas, Tessa. Allez, c'est rien. D'accord. Mais note-le bien dans ton petit carnet. D'accord, d'accord. C'est comme tu veux. Voilà, tu es content ? Oui. Et compte sur moi mercredi pour la fermeture. Comme je te l'ai promis. Parfois, Tessa jouait un peu le rôle d'une mère pour Marianne. Tu veux plutôt dire Tessa se prenait pour l'élu et traitait Marianne comme une âme à sauver. Elle essayait d'aider. Faudrait trouver ce carnet qu'elle avait. Je suis sûre d'en avoir repéré un marqué 2004 dans l'armoire du bureau. Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que t'avais besoin d'aide au magasin. Il y a 2 heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as bu ou quoi ?
Non, j'ai eu une sale journée, ok? Rien qu'à faire, mais je vais bien. Marianne. J'ai dit, je vais bien. Les enfants, on y va. Attends, s'il te plaît, j'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en rentrant chez toi, d'accord? Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. C'était quoi ce dépliant que Tessa a donné à Marianne? Je sais pas. J'ai vu le même dans la chambre de Marianne. Ça faisait un peu flipper, mais ça m'a pas évoqué grand-chose. C'était un torchon. Genre, du niveau des thérapies de conversion. Je suis désolée. Wow. Si c'est vrai, je veux savoir ce que Marianne en pensait. Et on doit avoir des preuves solides à balancer à Tessa. Tessa, ça t'ennuie si je cherche un truc sur Internet? Mon téléphone est mort. Bien sûr, mais fais vite, je vais avoir besoin de l'ordinateur. Les chercheurs de vertu. Attends, quoi? C'est ça qu'elle conseillait pour Tyler? Je sais pas quoi dire. Je suis désolée, Tyler. Oui. Allons voir comment Tessa va pouvoir justifier ça. Je peux t'aider, Allison? Non, merci. Ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai oublié, enfin. Ah, 2004. Quelque chose d'intéressant? N'est pas venu. On dirait que Marianne a arrêté de rembourser en octobre 2004. C'était 5 mois avant cette nuit-là. Je pense qu'on en a assez vu. Oui, on s'est fait une bonne idée de la situation. Allons voir Tessa. Je peux faire quelque chose pour vous? Nous revoilà, avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Marianne était dans un de ses mauvais jours. T'as essayé de lui parler, mais elle n'était pas réceptive. Puis vous avez commencé à vous disputer. Vous êtes allé dans le bureau et t'as mis cette chanson que vous adoriez. Et c'était quand, ça? Désolée, on n'a pas vraiment de date de nos souvenirs. Août 2004. C'est à ce moment-là qu'elle a arrêté de te rembourser, non? En août? Non, c'est impossible. Je me souviens très bien qu'elle est venue donner un coup de main pendant l'été. On était encore en bon terme, alors. Ça veut dire qu'à un moment, vous l'étiez plus. C'était quand? Je ne sais plus à partir de quand exactement. Mais elle est devenue de plus en plus compliquée. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. Je me rendais bien compte qu'elle avait du mal. Oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. On sait que tu soutiens l'Alliance pour la famille traditionnelle et que tu lui as donné le dépliant de leur camp. Quel camp? Le camp des chercheurs de vertu. C'était une thérapie de conversion. Tu lui as dit d'y envoyer Tyler. Je... Oh. Désolée. Je vous assure que j'essaie, mais je ne me souviens pas. Votre mère a été mal pendant des mois. On se disputait souvent. Est-ce que c'était à cause de moi? C'était à propos de plein de choses. Tout était un problème pour elle, sur la fin. Est-ce que t'as cherché à la convaincre d'envoyer Tyler dans un programme spécial? Non. Et j'aimerais que vous partiez maintenant. Tessa, ce que j'essaie de savoir, c'est si Marianne a voulu me tuer
à cause de ce que je suis. Tu peux le comprendre. Oui, mais je... Alors pourquoi tu veux pas m'aider? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Et je regretterai jusqu'à ma mort de n'avoir rien vu venir. J'espère que vous trouverez vos réponses, vraiment. Et je prie pour vous tous les soirs. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, je dois vous demander de partir. Bien sûr, on ne voudrait pas t'ennuyer. On peut récupérer nos courses ? Ah, Michael a déjà tout mis dans votre coffre. Ok, merci. Au revoir, Tom. À plus tard. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça fait beaucoup de choses, là, à digérer d'un coup. Elle a vraiment voulu nous mener en bateau. Tu trouves pas ? Ouais, mais c'est assez parlant, non ? Elle a pas voulu nous dire à propos de quoi elle se disputait. C'est pour ça que je pense que c'était à cause de moi. Ce qui lui a fait peur, c'est quand t'as parlé du programme. Je crois que Marianne essayait vraiment de trouver une façon de m'aider, avant qu'il se passe quelque chose qui lui a fait péter les plombs. T'as peut-être raison. Ouais. Elle s'est battue pour moi, Allison. Marianne était peut-être cinglée, mais elle m'avait compris. Je me sens plus léger. Comme si j'avais traîné un boulet pendant ces 10 dernières années et que j'en étais enfin débarrassé. Je suis vraiment contente pour toi. Mais on vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore, non ? Ouais, une grosse boîte pleine d'emmerdes. Eh ben, heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête ? Non, j'ai jamais posé de questions. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Il pourra sûrement nous dire quelque chose. Allons-y. C'est plutôt sinistre. Il y a plus de monde d'habitude, mais tous les agents partent à 18h tapante. Il y a plus de crimes après 18h ? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, Oncle Eddie peut souvent gérer tout seul. Et si c'est des ours éméchés ? Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Regardez cette affreuse mascotte, hein. Quoi ? L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux. C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. Et bien sûr, c'est verrouillé. Attends, je vais me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. C'est juste des informations de sécurité. Rien de très intéressant. Eh ben, si un jour je décide que le monde de la compta est pas fait pour moi... J'ai du mal à t'imaginer porter l'uniforme. Tu crois ? Je suis sûre que ça m'irait bien. Oh, ils l'ont toujours pas nettoyé ? Les sales cons. Je me demande si les huîtriers de Bachmann nichaient encore au moment de la marée noire. Oh, j'espère pas. 100% des frais universitaires pris en charge. Mince. J'aurais dû rejoindre la garde nationale.
Vaut mieux ça que se faire voler ses données bancaires par une université en ligne. C'est trop tôt, Tyler. Trop tôt. Bienvenue à la maison. Alors t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite? Tu m'étonnes, dès qu'Eddie travaillait. Tout le monde ici fait partie de ma famille. Oh, on se gèle ici. Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois, oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du Fish à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà, Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Wow. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? Ça alors, c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, mais... me dis pas que t'as des envies de bébé. Oh non! Pourquoi tous les mecs pensent direct à ça? J'arrive pas à croire qu'ils envoient toujours des personnes atteintes de maladies mentales en prison. De quoi? L'Alaska n'a qu'un seul hôpital psychiatrique. Pour un peu moins d'une centaine de lits. Du coup, si jamais quelqu'un pète un plomb, on l'envoie directement en prison. La vache, je savais pas du tout. D'où tu sors ça? Daron, c'est un mec vraiment passionné par le sujet. Je suis allé plusieurs fois devant le Capitole avec lui pour manifester contre ça. Ouh, ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non? Oui, évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Elle va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire. Le voleur des boîtes aux lettres, hein? C'est le bureau de Denise Wilson. Tu te souviens d'elle? Dis la folle dingue. C'est bien celle qui a mis le feu au mobilhome de son ex. Elle aurait mis le feu. Elle a été acquittée. Et c'est agent Wilson maintenant. Elle voue un culte aux courses de chiens de traîneau maintenant. Ça existe vraiment, ça? Ok, oui. Elle va tous les ans à Lady Tarod, et elle a une ligue virtuelle qu'elle appelle les petits amis des mushers. C'est vraiment cool. J'avais oublié tous les trucs de ouf que les gens font par ici. Hey, j'y suis aussi dans cette ligue. Est-ce que tu te souviens de lui? Non. C'est Jet? Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. J'aurais dû lui offrir quelque chose. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti. Je crois que Dee était un chien dans une autre vie. Il y a quelque chose qui bloque.
Bon sang, ils mettront jamais la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Cet enfoiré vole dans les boîtes aux lettres des gens. Une fois, il m'a même piqué une boîte de washi tape que j'avais commandée. Ah, en fait, je m'imaginais plutôt un vrai voleur boîte aux lettres. Tu sais, qui sautillerait sur son poteau la fente couverte d'un masque. Hein? Tu vois, genre le voleur, c'est la boîte aux lettres. Désolé, c'est grave nul, je sais. Devine quoi, c'est toujours verrouillé. Eddie a dû la fermer. Toujours verrouillé. Tyler, tu viens? C'est pas vraiment Fort Knox, mais oui, c'est ça. Enfin, on va pas laisser ces... Je crois pas, non. Enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Ben, où est-ce que tu veux qu'ils aillent? Les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures, et c'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On va bien trouver autre chose. T'es reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus. Oh, Allison, je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda que les corbeaux dans ces poubelles, c'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok? Ça te dit un café? La machine est dans la salle de repos en bas. Thank you.
Tu sais, je pensais vraiment avoir scellé ces souvenirs loin, très loin dans mon inconscient. Oui, moi aussi. Ouh, Rose me laisse jamais entrer ici. Où est-ce qu'on va ? On va s'asseoir ici, et je vais te poser quelques questions, d'accord ? Ok. Est-ce que ça va ? Ouais. Je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit-là quand je viens ici. Je comprends. Oh, Rose a laissé l'ordinateur allumé. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Est-ce que tu te souviens de lui ? Non. C'est Jet ? Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. Tu te souviens de Dan et Shelby ? Je crois, oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du Fish à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Wow. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte ? Ça alors, c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, mais... me dis pas que t'as des envies de bébé. Oh non ! Pourquoi tous les mecs pensent direct à ça ? Oh, Gregs, tu laisses encore traîner ça à la vue de tous. Gregs, comme l'agent Gregs, celui qui était avec nous cette nuit-là. Ouais, il est toujours là. C'est devenu la célébrité du coin après avoir fait coffrer un meurtrier de Juno. Le mec s'était planqué sur un bateau de pêche et il était tombé super malade après avoir mangé des appâts. Donc en fait, c'était pas une prise si difficile. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire.
J'aurais dû lui offrir quelque chose. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Fais chier. Ok, allons-y. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Ouais, c'est fermé. Hé, c'est le casier de Dee la folle dingue ? Hé, c'est la meilleure flic de Delos Crossing. Après Eddie, bien sûr. Autant pour moi. Je me demande ce que la meilleure flic de Delos Crossing garde dans son casier. Elle garde peut-être une autre clé quelque part ? Il remarquera pas si on lui emprunte ça, si ? Tant qu'on met ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. On devrait vraiment pas être ici. Ouais. Mais qu'est-ce t'en sais ? On pourrait trouver des infos sur cette nuit-là. Et Balto a réussi.
Donc Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier? C'est vraiment irresponsable. Avec ça, n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ouais, comme les deux intrus gobelins par exemple. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Fais chier. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Bingo. Des trucs croustillants? Juste des mails de boulot de Denise. Oh, Sam. Et lui alors? Il s'est fait arrêter pour ivresse sur la voie publique la semaine dernière. Et c'est pas la première fois. Je crois qu'il traverse une mauvaise passe.
Ah, ils font pas souvent le ménage. Ouh, alors ça, ça doit être un record. Ouh, alors ça, ça doit être un record. Tu crois qu'ils m'en voudront si j'en prends un? C'est effectivement les cookies de la semaine dernière, mais... fais-toi plaisir. Ah, oh, j'ai vraiment la dalle. Regarde-moi ce chef-d'œuvre. C'est toi qui as fait ça? Ouais. J'ai collé ça sur le pot un jour où je m'ennuyais, et personne s'est donné la peine de l'enlever. J'ai pas si faim que ça. C'est bien plus lourd que ce que je pensais. Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. Il est encore chaud. T'es sûr de vouloir un café aussi tard? Tu vas pas dormir. Je pense pas que je vais réussir à dormir de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé, hey, ça va? Calme-toi, Allison. On fait comme on a dit. Allez, faut pas que tu paniques. Je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord? Est-ce que ça va? Franchement, non. Ça t'arrive de regretter? Non, jamais de la vie. Enfin... peut-être une fois ou deux au début, mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire, regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Oncle Eddie doit avoir fini maintenant. On devrait retourner le voir. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant? T'es sûr? Première fois que je reviens ici depuis cette nuit-là. Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Assieds-toi. D'accord. Ah, bordel. Désolé. Ah, ils ont gardé ça? Quoi? C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. Du coup, je crois que Brown nous attend. On devrait retourner dans son bureau. Pourquoi vous nous avez séparés? Est-ce qu'Oli va bien? Tout va bien, ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi? T'es drôlement calme. Ah,
Désolée. J'essaie de gérer, mais c'est trop. Hé, désolé, c'était un peu long. Des fois, les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent... un peu seuls. Pas de problème. Hé, tu te rappelles de lui ? Ouais, bien sûr. Comment l'oublier ? Tyler Ronan, de retour à Delos Crossing. Ça fait plaisir d'être ici. Regardez-moi ça. T'es un adulte maintenant. Ouais, j'ai bien mangé ma soupe. Tout le clan est si fier de toi. Et de ton travail avec les jeunes de Fireweed. Je dis toujours, les enfants, c'est l'avenir. Je croyais que c'était de Whitney Houston. Comment ça ? Attends, elle m'a piqué toutes mes idées. Tout le monde sait ça. Regardez-vous. C'est bon de vous retrouver. Ouais, je sais pas comment j'ai fait sans cette andouille. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais ? Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui l'a tracassé à propos de nous ? À propos de Tyler en particulier ? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... elle a jamais rejeté quelqu'un parce qu'il sortait du rang. En général, c'était plutôt l'inverse. Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui l'a tracassé à propos de nous ? À propos de Tyler en particulier ? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... elle a jamais rejeté quelqu'un... parce qu'il sortait du rang. En général... c'était plutôt l'inverse. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents... ce jour-là ? Le moindre indice ? Non. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu ? Genre, les quelques jours qui ont précédé ? Non. Je l'avais pas vu depuis... plusieurs semaines. Voire un mois, peut-être. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier ? Il y a peut-être quelque chose que tu n'aurais pas vu. Son dossier ? Le dossier d'enquête, le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés, pour toujours, non ? Oui, c'est le cas, mais je peux pas vous le sortir, là, comme ça. Il y a des procédures. Mais c'est toi le chef ? Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider ? Ou t'as décidé de jouer au... Tyler ! Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed, c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'aies éloigné de ma sœur pendant cette putain d'année. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston. Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr ? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok ? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain ? Quoi ? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire ? Elle était sous le choc ! On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi t'as refusé que ta sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans ? Eddie, hein ? Je t'en prie. Ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et 3 ans, c'est rien comparé à 7. Pas vrai, Ali ? Eddie a fait au mieux pour me protéger. Pour protéger sa famille. Je croyais que ta famille, c'était moi. Oui, c'est toi.
Et ces 7 dernières années n'ont rien changé. Et même les 10 dernières, crois-moi. Mais ma famille, c'est aussi Eddie. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non? On pourrait pas aller de l'avant? Ouais, je crois que t'as raison. Il y a des fois, je me demande qui a élevé qui. On dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant? C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça se refuse pas. Ok, allons-y. Quand ils arriveront. Non, non. On se protège l'un l'autre. C'est ce que font les gobelins. Et les frères et sœurs. Ça va aller, ok? Ça ira pour toi, pour nous. Thank you.
Bon, et maintenant ? A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. Attends, t'es pas en train d'imaginer entrer par effraction dans les archives de la police, là ? Faut y aller au culot.